Et salut à tous, donc j'espère que vous allez bien les gars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, on se trouve pour la suite des défis de cette semaine 3. Et pour ce défi, cette fois-ci, on va nous dire tout simplement qu'il faudra atterrir en Chopa au fond d'un réacteur de Steam Stack. Donc du coup les gars, je vais vous montrer du coup les emplacements des Chopas ainsi que l'emplacement tout simplement des réacteurs. Donc c'est parti les gars, on se retrouve en game. Ok les gars, donc on se retrouve directement en game pour faire ce défi qui nous dit tout simplement de... d'atterrir en Chopa au fond d'un réacteur de Steam Stack. Donc première étape, c'est de trouver tout simplement un Chopa. Donc le Chopa, vous le trouverez tout simplement à Frenzy Farm, juste ici, voilà. Donc tout simplement en F3, F4, juste ici, voilà. Je vous fais un petit zoom, donc là, vous trouverez le Chopa juste ici. Sinon, vous avez un Chopa sur le bateau tout simplement de Deadpool qui se trouve tout simplement en E1. Ensuite, première chose aussi à savoir les gars, pour faire ce défi, donc il faut tout simplement le faire en solo duo ou squad parce que je le rappelle, en fin d'empoigne, les acolytes ne spawnent pas, les boss ne spawnent pas ainsi que les hélicoptères. Donc vous êtes vraiment obligé de le faire en game normal. Ensuite, tout simplement, il faudra vous rendre une fois que vous avez votre Chopa à Steam Stack dans un des deux réacteurs. Donc on a un réacteur à gauche, un réacteur à droite. Vous pourrez aller dans n'importe lequel pour terminer le défi. Donc tout simplement, on s'y rend. Avec le Chopa, vous montez un petit peu. Il faut viser le centre tout simplement du réacteur de Steam Stack. Donc là, tout simplement, on vise le centre. On descend et normalement vous allez voir que le défi va se terminer assez rapidement. Donc là tout simplement on descend. Hop, donc là il y a marqué atterrir du coup en Chopa au fond d'un réacteur de Steam Stack. Donc là on atterrit, donc normalement ici ça devrait être bon. Voilà, on atterrit. Là vous voyez le défi en haut à gauche, il y a bien marqué que j'ai reçu les 35 000 d'XP et que le défi est terminé. Sur ce les gars, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sur ce je vous laisse, à plus et à la prochaine.